son palais insensible lui a valu le surnom de poubelle de l'océan. L'examen d'autres morsures survenues en 2016 révèle une information inquiétante. En examinant les morsures, on a pu établir que 6 des 7 attaques enregistrées en 2016 avaient été commises par des requins-tigres. Mais pourquoi les requins-tigres de Maui s'en prennent-ils soudainement aux humains? En 2016, des chercheurs ont mené une étude sur les déplacements de requins-tigres dans la région. Pendant 2 ans, on a capturé des requins vivants pour leur poser des émetteurs radio avant de les relâcher dans l'océan. On a ainsi pu les suivre. Le pistage de ces requins révèle une information surprenante. Ils ont découvert que les requins-tigres se plaisaient sur le plateau immergé à 200 mètres, le long de Maui Nui, sur les côtes de Maui. Maui Nui désigne la partie surélevée qui borde Maui. C'est une zone dissimulée sous des eaux peu profondes qu'on appelle aussi plateau insulaire. C'est un habitat idéal pour se reproduire et pour mettre bas. Les chercheurs se concentrent donc sur le plateau et commencent leur étude par l'île de Maui en elle-même. Et la caractéristique principale de l'île, c'est les volcans qui la recouvrent. L'île s'est formée grâce à 2 volcans boucliers, le volcan Haleakala, haut de 3055 mètres, et le volcan Mauna Kea Lawai, plus petit. Ils sont au cœur d'une théorie surprenante. Certains chercheurs affirment que les requins sont attirés par les volcans. Les requins des volcans semblent être un concept singulier. Mais en 2015, des chercheurs installés sur les îles Salomon font une découverte stupéfiante. Des requins de 2 espèces différentes, requins marteaux et requins soyeux, nagent dans le cratère de Cavachi, un des volcans sous-marins les plus actifs de la planète. Au cœur d'une chaleur intense, les requins chassent et survivent en dépit des fréquentes éruptions.